Bah, c'était une première pour moi. Bon, ça s'est pas passé comme je l'espérais. Je suis tombé contre le numéro 3 mondial. Je suis tombé contre, comme je dis là, Oh Sang-gook, c'est un Coréen. Il lui restait plus que les Jeux Olympiques à gagner. Il les a gagnés. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et lui, il est rentré directement dans le combat. Je pense qu'il n'y a pas de stress. Il connaissait un peu l'événement déjà. Du coup, la première partie, c'était un peu compliqué. J'essayais de le faire tomber dans le vide et à chaque fois, il me touchait. Et j'ai perdu au premier tour. Et deuxième partie, je suis un peu mieux rentré dans le jeu. J'ai fait du jeu, j'ai marqué pas mal de points sur la deuxième partie. Mais bon, quand on tombe sur un adversaire aussi fort, dès qu'il prend un peu d'avance, c'est très dur de revenir sur lui. Du coup, j'ai pas réussi à revenir et j'ai perdu. Mais bon, j'ai pris de l'expérience et pour le futur, c'est que du bon pour 2028. Et je pense que ça va être bien pour moi d'aller au Niger et remercier tout le monde, tous ceux qui nous ont soutenus. Et voilà.